exemple, que vous avez chez vous ou que vous allez sélectionner parce que vous l'aimez particulièrement. Et puis on va venir découper des petites planches de bois que l'on va venir disposer à l'intérieur. Pour ceux qui souhaitent, vous pouvez planter des petits clous sur le côté pour faire tenir ces planches en bois et en mettre de multiples. Personnellement, je vais le faire sans clous. Et je vais venir disposer différentes petites planches en bois qui vont se tenir les unes avec les autres. Alors pour commencer, je vais prendre ce papier cadeau que j'aime particulièrement. Je le trouve très joli parce qu'il y a des petits renards, des petites formes, qu'il y a des couleurs assez sobres. Il y a des petits ours aussi. Et je trouve qu'il est très joli pour toute l'année. Donc on va venir découper une feuille de papier que l'on va venir placer au fond de notre boîte. Donc je vais prendre les ciseaux et je vais découper le papier à la bonne taille.
une ici et deux horizontalement. Je vais le faire et je vous montre après ce que ça donne. Et donc voilà à quoi ressemble l'étagère. Une fois qu'on a positionné les différents petits morceaux de bois, avec une étagère en haut qui repose ici sur ce petit bout de bois qui est un peu plus court, il ne va pas jusqu'en haut. Là pareil, on a un petit morceau de bois qui ne va pas jusqu'en bas et on a deux petits morceaux horizontaux. Et là tu vois bien que le fond est très joli. Donc il faut vraiment choisir un fond qui va être magnifique parce qu'il va être visible. Alors voilà pour cette petite étagère. C'est aussi simple que cela. Et maintenant, il te reste à l'aménager avec des petits produits. Donc par exemple, tu peux mettre ton maquillage avec la petite crème de jour que tu peux venir positionner. Tu peux venir mettre ton produit démaquillant.
Je vous remercie d'avoir participé à ce cours. N'hésitez pas à aller dans notre magasin de bricolage pour trouver tous ces petits éléments éventuellement. Les clous, si vous souhaitez fixer les planches avec des clous. Le scotch double face. Vous trouverez également de magnifiques papiers pour recouvrir cette petite boîte de rangement. Et vous trouverez aussi des boîtes en bois, si jamais vous n'avez pas de boîte comme ça de rangement de bouteilles. Très bien. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne continuation pour votre journée. N'hésitez pas à revenir dans notre boutique pour d'autres astuces de ce type et d'autres petits ateliers bricolage. Merci beaucoup à vous. Je vous dis à